21 bornes. Oh non, on va la faire. Elle fait la tech Mario Kart quand la carapace bleue elle arrive. Même pas. Ouh. On a la deuxième, c'est celle qui monte à 415. Non. Donc elle a pas encore. Il manque 500 000. Il va falloir faire des courses en ligne après. Débloquer tout ça. Mario Kart, j'ai le démon parce que j'ai acheté la Switch avec Mario Kart, mais j'ai même pas joué. Vous avez débloqué Authentique. Yeah, I'm that authentic dude. Je sais pas pourquoi le succès s'appelle Authentique, mais on est ensemble. Tout va bien. Tout va bien, les gars. Allez, 23 bornes. Tom Star. J'ai cru que c'était Tom Snare, j'avais paniqué. Qui se rappelle de Tom Snare? Il avait fait un son qui s'appelait Philosophie en 2006. Et le clip était une sorte de dessin animé avec un mec qui bougeait la tête qui avançait là. Je parle pas de Crazy Frog et tout, attention. Tom Snare, Philosophie, c'est un son que j'écoute encore aujourd'hui. Incroyable d'ailleurs. Wouah! Fuck, fuck! Ok, c'est pas grave. C'est pas grave les gars, c'est l'échauffement. Je ferai peut-être une sur Speed 2015 cette année vu que j'ai jamais fait. C'est là quand j'ai fait ma tier list tout à l'heure. Du coup, il y aura 3 jeux dans Jamais Fait. C'est les 3 derniers de Force Speed. Force Speed 2015, Payback et Hit. J'ai pas fait les 3. Non, non, non. Gros, est-ce que vous avez vu comment la voiture accidentée, elle a reculé vers moi? Scripted. C'était totalement scripté, les gars. On a converti Matsat. On va tous vous convertir, les gars. Need for Speed était une licence extraordinaire. Même si maintenant, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est une licence de fou quand même. Non, ah, il s'est esquivé, c'est une voiture qui vient dans le sens inverse. My bad. J'ai en mode. Est-ce que ça va toucher? Merde. La course de 47 bornes va être longue les gars. Il va pas falloir la perdre hein. Il va surtout falloir réussir à la terminer je pense. Parce que les voitures elles ont pas vie illimitée. Et sur une course aussi longue il y aura des accidents. On se mettra le petit combo initial D. La course ça fera sûrement moins 10 minutes hein, 47 bornes dans le jeu. Parce que regarde, cette course c'était 22 bornes. 23, je pense qu'on va la faire en 4 minutes et quelques. Un peu moins de 5 minutes. Là on aura le double. 10 minutes ouais, à peu près je pense. Zoa. Pas mauvais le son, Tom Star là. Mais c'est pas tout. Et yo. Ah. Tiens, j'ai pas de raccourci, je suis trop nul. C'est de ma faute. Et cause, je crois que c'est le son que j'ai le plus eu dans toute la run du jeu qu'on a refaite là. Le son, il veut pas me lâcher.
Ah c'est ça, on est à 4.30 hein. Faudra voir après l'autre. Faudra voir l'autre course que ça donne. On va être à peu près, ouais, je pense vers 10 minutes. Nouvelle voiture, nouvelle voiture, nouvelle voiture. Je sais pas, une nouvelle voiture, c'est quoi? Tu débloques où? Pourquoi? Mais il n'en reste pas grand chose. Ok, dernière course. Non, il en reste deux. Ok, il y a celle-ci d'abord. 24 burn. 24 burn. Et celle-là, 47. Donc. Ok. Ok, les gars. C'est maintenant ou jamais. On va aller piocher dans la playlist. Je sais pas si j'avais mis les bons trucs dedans. Il y a du F-Zero, Big Blue, Mute City, Angel Thesis, il y a du Initial D. Ok, en vrai ça va. En vrai ça va les gars. Ça part de là. T'as joué à Need for Speed Hot Pursuit avec des musiques des anciens Need for Speed. C'est ça le flex, monsieur. Ça va ou quoi, K-Slide? Comment on boule? Who's this? What's happening? Who's hollering? While I'm stretched back, maxing in. Text reads, yo, something's going on. Ok, il reste deux courses racer, les gars. On a déjà fini la carrière policier. On a tout fait en or. Ça part avec un petit son de Need for Speed Carbon, le meilleur Need for Speed, Dynamite MC After Party. Fresh, fresh, fresh. On va mettre ça bien, hein? Yes, yes, yes. Let's go. Armes disponibles. Ah, c'est vrai, il y a des armes disponibles. C'est un Highway Battle. Ok. Ah, la police déconne zéro, les gars. C'est que des Bugatti Veyron. M-E-D-R. Ok, 24 km. On a 3 turbos, 5 brouilleurs, 5 IUM, 5 Hz. J'ai même l'impression qu'en fait c'était celle-ci la dernière course du jeu. C'est pas grave, on fera les deux quand même. Pour montrer à quel point nous sommes le meilleur pilote de Secret County. Nous sommes à la fois le meilleur pilote et le meilleur policier. C'est un beau télétravail, tout ça, tout ça. Ah, c'est cool, mon gars. Vu qu'il y en a beaucoup qui ont pu conserver le télétravail, tant que ça vous plaît, let's go, les frères. Ouh là là, on demande la permission d'utiliser une herse. Moi j'ai rien fait, hein. Laissez-moi tranquille. On récupère un peu de nitro en sens inverse. Jesus. J'ai cru que la voiture qui était devant à gauche, c'était une voiture qui venait en sens inverse, donc j'ai mis un coup de drift. Je suis trop nul, putain. Ça va trop vite à 400 km/h. Toi. Nini, bonjour. Nini arrive dans le chat avec LOL. Déployons la Hers. Oh! Jesus! Ils sont énervés. L'agressivité. On esquive le barrage. Oh, y'a mon son là. Sly Boogie, that's my name. Il est pas mal celui-là. Wesh Taser, ça va ou quoi? Taser, ça fait longtemps, tu vas bien gros? Ça fait très longtemps. Peut-être même trop longtemps. Comment ça va depuis? Ça me prend pour cible? Ça dégage. Tu vas pas m'emmerder longtemps toi. Non. Il me reste le turbo, j'ai 11 bornes là.
Ah, mais une petite distance, heureusement. This is the popo. Brouilleur. Merci. Merci beaucoup. Y a les boucles. Oh! Attends. Je fais la boucle, la videur et je mets le turbo. Zoa! Ça dégage. Vitesse ultime. Y'a la popo derrière moi. De popo. That's the popo. Oh shit. Ça dégage. Yes bébé. Alors ça marche. Les hers. Les hers, pantalon skinny, coupe droite. Toi. Ça dégage. 500. J'ai mis le brouilleur. Ça a voulu mettre une R sur la ligne d'arrivée. J'ai mis le brouilleur. Ça part de là. Merci bébé. Tu vois, on a l'air giga vénère la police dans ce NFS. Ça ou quoi? Fuyuko Anekura. Ouais, la police dans Hot Pursuit, surtout à la fin là, quand t'es en hypercar, elle est vraiment balèze. Donc c'est pas mal du tout. C'est intéressant. Parce qu'elle se laisse pas faire. Voilà, on a fait la dernière poursuite infernale. Il nous reste la dernière course du jeu qu'on va faire tout de suite ensemble devant vous. 47,3 km. En duel, je crois. C'est la Apollo contre la Véronne, non? Je sais pas, non, c'est toute l'hypercar disponible, ok, y'a pas de soucis. On va reprendre la Véronne, nous. Et on va faire ça. T'es fou, Nini, c'est 50 km/h pour aller à Carrefour. C'est que dans Need for Speed, ça roule à 400. Et même si tu me donnes une Véronne dans la vraie vie, j'irai pas à 400. J'ai pas les testicules pour faire ça, monsieur. Je kiffe trop les sons de Need for Speed Carbon, les gars. J'espère que c'est aussi le cas pour vous. Alors on y va, 47 km, dernière course du jeu. En tout cas, je suis bien content de l'avoir remis dans le... Enfin, de l'avoir mis dans le sub-goal et qu'on ait pu le faire, le jeu. Ça fait... J'avais pas joué à ce Need for Speed depuis 10 ans, à peu près 11 ans, même 11 ans. Et il est toujours aussi plaisant, même si c'est une version remaster. En vrai, le gameplay change pas, c'est le gameplay de l'époque. Ça fait super plaisir. Du coup, ça, c'est pas une poursuite infernale, donc on n'a pas d'armes. Hein. Oh. What? Ah. Les gars, allez, on y retourne. Oh, oh. Regarde, moi, son thé avait de bons sons aussi, de très bons sons. Ouh là 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 là.
Merci beaucoup à Nini qui a balancé les 10 subs pour le September. Merci beaucoup mon BG, l'énervement est présent. Ça va sonner 10 fois, je sais que sur le YouTube ça m'a dit Reza s'il te plaît est-ce que tu peux diminuer l'alerte sub. J'ai oublié de le faire, je suis désolé, donc si tu vois cette VOD mon gars, tu me pardonneras j'espère. Mais ça n'a pas encore été fait, j'ai cru que j'allais prendre le caillou, j'ai paniqué. J'ai commencé à éviter les raccourcis je pense parce que je me cogne de ouf les gars, je vois rien. Merci beaucoup Lily. On est déjà à la montagne. Il va falloir changer l'alerte. Oui, oui, oui. On va changer l'alerte. Putain, en plus, on a une musique là, elle est trop stylée. C'est une musique de canyon, de carbone. Et elle est couverte par cette alerte sub. Les gars, n'hésitez pas à poser les subs si vous voulez. Après la course! Merci beaucoup. Les 10 heures tournent! Tourne, tourne, tourne! Bâtard! Il reste 28 km. Ça fait pas plus de 10 fois qu'elle sonne la sonnerie? Oh là là. Wow! Il a fait un accident. Ok. Ok.
14 km. Kilomètres. Attends, en plus, c'est vrai qu'il y avait le la météo dynamique. La course a commencé la nuit. Ah non, elle a commencé le jour, on est passé à la nuit, ou vice versa, je crois. Bonjour la commission, comment vas-tu? Les gars, j'ai pas pu lire tout le chat. Et j'arrive. Je viens de remporter cette course de 47 km, bien évidemment, grâce à ma toute nouvelle hitbox. N'hésitez pas, si vous voulez procurer les hitbox et pouvoir tricher sur les jeux vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Ouais, la Zonda R5W, elle a un bruit extraordinaire. Et c'était la dernière course du jeu en Street Racer, les gars. On a tout fait. Toutes les courses de policiers, toutes les courses de Street Racing, on a tout fait en... En goldo. Ah non, il nous reste quelque chose. J'ai parlé trop tôt. Il nous reste une poursuite infernale. Ah, avec la Apollo, c'est vrai. Il nous reste la poursuite infernale avec la Apollo. Xbox ça m'intéresse mais j'ai pas mal de boutons pour le moment. Slide. Xbox pour les flèches. Mais non, on voyait pas les hélicoptères. Je suis en 4 roues, bordel. Non. Pourquoi tu mets de la lumière sur moi? Laisse-moi dans le noir.
Alors, la voiture, elle est deux fois plus légère que la Véronne, et ça, ça fait plaisir. Brouilleur. Oui. Ok, les gars. C'est bientôt l'heure. Je pense que c'est bientôt l'heure. C'est l'heure. J'y vais. Oh non, il y avait deux virages. C'est passé. Non. Les Hertz pour monsieur, ça dégage. Brouilleur. Ça dégage les Hertz. Les Hertz encore pour derrière. J'ai plus d'Hertz, il m'en reste une ou... Il m'en reste une. Ah, il y avait le raccourci. Ça pète. Quel bail. Y'a quoi ce soir? Ce soir, y'a la nuit One Piece. Je serai en direct, en duplex, d'une émission qu'on va faire sur le stream à la Fnac des Champs-Élysées. Vous pourrez venir et échanger avec moi en tant que fan de One Piece. Et possiblement se faire entrer dans un Tsukuyomi Genjutsu de débat infini sur Eiichiro Oda. Concernant l'œuvre tout pièce. Ok, mais depuis tout à l'heure, c'est jamais... 70 km. J'avais oublié tout ça. Ça, c'est la vraie dernière course, les gars. Je suis désolé de vous avoir induit en erreur. C'est la vraie dernière course. Ça part. La vraie dernière course, les gars. 70 km. 5 heures du matin. Need for Speed poursuite infernale. La vraie de vraie. Donc je sais pas si je vous mettrai l'ensemble des 4 courses sur YouTube ou juste la vraie dernière. Mais je suis là. Bah si, c'est à la Fnac des Champs-Élysées, c'est ouvert au public l'événement.
Faut passer, les gars, passez ce soir. Passez ce soir, il y aura de l'ambiance. C'est un événement Glénat qui a lieu dans toute la France, dans toutes les librairies et tout ça. Et nous, on fait le truc à la Fnac des Champs, mais c'est ouvert, c'est open. Si je vous dis de venir, c'est que c'est open. Bordel. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas joué au jeu, des années, plus de 10 ans. J'avais zappé que la dernière course c'était à 70 bornes. Je savais que la dernière course c'était une longue course, mais je pensais justement que c'était la 47 bornes, moi. Donc là, on se retrouve à faire celle-ci aussi. Qui est très bien d'ailleurs. Ah! Back. Ah, je trouve un raccourci. Ça doit rigoler. On fait des petits jeux, j'ai compris, les arcs sont fameux. Ah putain. Mais arrêtez de voir du négatif partout. C'est une soirée pour, pour le lancement du tome 102. Venez profiter. Il n'y aura pas de PP manga, il y aura pas. C'est pas Twitter, c'est la vraie vie. Les gens seront conviviales. Et s'il y a une, s'il y a une PS5, on la prendra aussi. Hein. Genre la Fnac, moi je tape ici là. Elle donne-moi une Play 5. On va la récupérer. Putain, récupérer, ça me fait penser à un truc de fou, les gars. Une histoire à l'époque. J'ai un pote, il est trop nul en anglais, tu vois. Et on était à. C'est la première fois qu'on partait à Rotterdam ensemble. C'était il y a 8 ans, en décembre 2014. Il est au lobby de l'hôtel, je récupère ma clé et il va récupérer sa clé. Sauf qu'il sait pas quoi, il sait pas parler anglais. Après, il essayait de chercher les mots et il avait dit récupérer pour dire récupérer la clé. Gros, j'ai hurlé, frère. J'ai hurlé ce jour-là, gros. Récupérer. C'est pour ça que je dis récupérer tout à l'heure, j'ai bugué parce qu'en fait, j'ai eu un flashback. Je me concentre sur la route avant de checker le chat. I recoup the ball. C'est l'anglais de Nabil Fekir, jure. En vrai, je trouve ça stylé d'avoir mis des touilleurs. Ça va forcer le débat. Moi, je sais même pas. Ils vont. Eh, mais attendez, attention, les gars. Moi, je suis pas en émission avec eux. Je sais même pas. Ils vont débattre de quoi. Je ne suis pas en émission avec eux. Moi, je suis en duplex à la Fnac. Moi, je suis que avec vous, les gars. Je suis que avec les gens qui seront à la Fnac en physique. J'en mettrai certains à l'écran. Et bien évidemment, c'est même moi-même, c'est moi-même qui vais touiller les gens, Godspeed. À la Fnac, je vais dire quoi aux gens à chaque fois? Qui est le plus fort entre Mihawk et Shanks? Les mecs, ils vont s'infiniser. Ils vont faire des débats à l'infini. Ça va être archi drôle. T'auras la fine base Shanks, un perso qu'on a vu 5 fois en 25 ans. Et t'auras la fine base Mihawk, perso qu'on a vu 5 fois en 25 ans. Hein, de quoi? Bon, au moins, on l'a vu se battre. Ouais, l'émission ne se passe pas à la Fnac, hein, histoire que vous compreniez, les gars. L'émission se passe sur le stream à Webedia. Et du coup, moi, je serai en duplex. Je serai l'intervenant en duplex sur place, sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, on va pas prendre la course. Alright. Ok, il reste 47 bornes. Mon dieu. La course, ça en fait 70. Ah merde, j'ai l'impression que je fais une balade dans Secret County. Tu seras seul. Tu veux m'attraper ou quoi, Bello? Qu'est-ce que tu veux me faire? Pas de chercher à savoir si je suis seul. T'as prévu quelque chose contre moi? Bizarre. Je dis juste que c'est bizarre. Il y a le Nintendo Direct à 16h. Je pourrais pas le streamer parce qu'à 16h je serai en direction du bureau. Parce que je fais la quotidienne à 17h. Hop, hop, hop.
Encore une fois, j'attends rien des Nintendo Direct parce que j'attends rien de Nintendo. Mais ouais, s'il y a un F-Zero qui est annoncé, un nouveau jeu F-Zero, appelez-moi. Hein. Vous avez mon numéro, vous avez mon Twitter, mon Discord. Wow! Ah, c'est le remix Mute City Eurobeat. Ah, c'est pas vrai, Red Horn. On t'en parlait des directs aussi, c'était of play. Ouais, là on fait stream aujourd'hui là. Après on fait la quotidienne, puis on fait la nuit One Piece jusqu'à 23h. Après à minuit, soit on stream le state of play ici, soit je le couvre sur le stream si s'ils le font et s'ils m'acceptent. Du coup on verra. Et après le state of play, on va se poser je pense. Parce qu'ensuite demain il y a encore la quotidienne et versus le soir. Qui fait trop à chaque fois ce passage dans Hot Pursuit. Full désert. Non! Ça va ou quoi, Razor Lance? Praruto, c'est comment les gars? Vas-y, et on court avec les hitbox. Vas-y, venez, je vous ramène les hitbox. Qui veut gagner une hitbox? J'ai 20 secondes d'avance sur le deuxième. Comment ça se fait, je leur ai mis autant? Pardon. J'ai dit pardon comme si genre il s'était rien passé sur l'autoroute, tu vois. T'as entraînement à minuit. Yo, ça, non, à 20h. Yo, la mif. Ça va ou quoi, les frères? Ça coûte combien les hitbox en vrai? Ça coûte trop cher. Mais ils vont venir en France là. Il y aura des hitbox à vendre à Lyon au mix-up. Si vous voulez en acheter au prix français, je sais pas, ce sera combien, mais ce seront forcément moins chers que d'acheter en import aux États-Unis. J'aurais mis la max un peu. Hein. C'est vrai qu'une course de 70 bornes dans un Need for Speed, c'est beaucoup. On n'a pas l'habitude généralement. Il reste 21 bornes. Objectif, leur mettre 30 secondes, c'est bon. Oups. Récupérer du nitro, essayer de pas faire d'accident, sens inverse. Bornes, 34 secondes au devant, au second. Ça va finir avec 8 minutes d'avance cette histoire. Hein.
Ça monte. 45. Merci pour les mythes. Oups. Wow. 1,5 km. Alors, pas 1 minute finalement. Même si on les a distancés quand même. Ouch. Ah. Voici la ligne d'arrivée en marche arrière.